düşünmüyor. Bir sonraki. Oui.
Ouais, mais non, parce que c'est plus de mais c'est quand même. Je suis quand même pas à la maison carte bleue, il n'y a aucun magasin là. Il y a des Il y a des raisins. Parce que le bateau, quand même, ce sont des vins qui arrivent à peser. Donc, c'est prêt, il va y avoir. Et ce prêt, il est magnifique. C'est pour ça qu'on s'est réalisé. D'autres thèmes, et c'était très bon. Thank you.
va être de l'autre côté. C'est bon ? Oui, c'est ça. Elle est d'ici, hein, parce qu'elle est ici. Tout le monde tourne du goudron. On n'en bouffe pas assez cette année du goudron. Oh la belle. Ah, j'ai déjà plus de... Oui. J'ai plus de piles. Je ne sais pas, je ne connais pas. On leur a piqué le château. Ben oui. Il y aura des bains.
Par correspondance ou par internet, maintenant, bien sûr. Maintenant, il y a le progrès. Donc, c'est des canards qu'on achète petits à un jour. Oh, ben les bergers, ils donnent pas. Oh, non, on va rassembler. Et c'est bien. C'est comme ça. Ça, on bruit sans rien. Avec les copains, hein. On avait les trois, les quatre là. Ce mouvement là, c'est trop beau. Elle méritait bien des petits bouts de foie gras quand même, cette bête. Allez, mettez-vous autour. Ça, c'est que le monde. Ils ne parlent pas, c'est pas des canards. Hein. Ben voilà, c'est des canards. Hein. Dans le bec, dans le jabot, hein, tout simplement. Alors on tourne, le maïs descend en grain et on le place à la main. On masse le jabot et on fait descendre le maïs. Et en massant le jabot, on sait s'il y a assez de maïs et on arrête quand c'est nécessaire. C'est nous qui le savons. Chaque canard maïs est différent. Voilà. Oh, bien, bien, trop bien. Bien, mon gars. Tranquille, on le met entre les jambes, comme ça ils sont bien, il n'y a pas de souci. Bon, dans un canard, on savait que tout se récupère. Hein. Même le duvet est récupéré pour faire les couettes. Les vêtements pour le froid. Hein. Les polaires. C'est important. Hein. Le duvet, c'est dessous. Quoi, hein. C'est pour ça qu'un canard n'a jamais froid. Quoi. L'hiver, on dit un froid de canard, mais il y a une raison. Hein. Allez. Sur le monde, c'est fait exprès, ils ont largement la place. Oui, c'est bien. Voilà, et on fait doucement en mettant le tuyau et on met en biais, voilà. Tout simplement, une fois qu'il est là, il peut respirer. On tourne. Finette, arrête. On fait descendre avec la pointe des doigts. Pas difficile. Il bouge pas, hein, il aime, hein. En fait, ça le nourrit, vous verrez, hein. Vous verrez. On fait descendre, on place. Mais... Et vous n'avez pas d'autres procédés à part mise à la main comme ça pour le faire? Si. Quand même. Il y a d'autres procédés, mais gavage à industriel. Je mets des canards en boîte individuels, ils sont bloqués, ils gavent à l'aliment, ils sont pistolés comme une pompe à essence. Ah, ça, j'en veux pas. Hein. C'est ça qui va être interdit. Ah, d'accord. Et heureusement. C'est bien, c'est bien. Heureusement. C'est bien. Je me suis bagarré des années contre ça. Oui, oui. C'est une honte. C'est pas du gavage, c'est du n'importe quoi. Il faut n'importe quoi. La viande, ça vaut rien, les confits, tout ça, ça vaut rien du tout. Ils sont habitués, hein. Oui, ils sont bien habitués. Voilà, c'est gavé.
Où elle est la dame derrière, regarde pas là-bas. Vous regardez pas. Moi j'avais plus. Vous connaissez ? C'est bien, on va voir ça. Si l'autre dit l'attention. Voilà, il est gavé, hein. C'est plein. Donc on les repose. Et normalement, un canard bien gavé, quand on le repose, il remet toujours la queue. Ah oui, on est content. Ah, il est content. Ah, il est content. Ça s'est bien passé. Hein? Alors, on va continuer. Ah, on disait que les cannes, voilà. Vous voyez comment il fait quand il n'est pas gavé? Il mord. Il vient chercher la main, il mord. Oh. Regardez s'ils sont malheureux. Regardez s'ils sont malheureux. On voit. Allez, Zébulon. Allez, Zébulon. À ton honneur. Voilà. On tourne. On fait descendre. Alors lui, c'est le gouffre de Padirac. Là. C'est... Ah bon, carrément. Lui, il en contiendrait. À... Il renie pas sa région, alors. Mais arrête de souffler, toi. Tu t'es gavé, ça va. L'estomac, ça grandit. Le jabot. Le jabot, oui. C'est le poche, c'est le gésier qui digère ensuite. Hein. C'est différent de chez nous. Le jabot. Ah oui, une fois qu'il est gavé, lui, il ne mord plus, c'est fini. Oui, c'est vrai. Ça ne le dérange plus du tout. Voilà Zébulon. Dans le gavage, c'est ce qui va développer le foie gras, bien sûr. Alors, il faut bien dire une chose. Si on ne gavait pas le week-end, le dimanche, on pourrait dire on gave pas, ou je pourrais dire mais gavé, on n'est pas gavé. Mais seulement tout le foie va rediminuer. Donc, il faut gaver tout le temps. Allez, on va voir s'il est bien gavé. Ah oui, ah oui, ah oui. Très content, très bien mon chouchou. Allez. Ceux qui sont très fatigués par le s'asseoir. Monsieur, vous avez le prix. Je vous montre. Voilà un canard gavé. D'accord ? On va un petit peu le découper. Vous allez voir les morceaux, vous verrez les appellations. Donc chaque morceau se cuisine là. Et comment on enlève les plumes ? À la plumeuse. Ah bon ? Ah oui, hein. C'est intéressant. Elle a pas besoin, hein. Ça récompense. On coupe la tête. Regardez l'épaisseur de graisse. Mais c'est pas vrai. 50. C'est impressionnant, hein. La graisse, il nous en faut beaucoup, quoi, hein, quand on cuisine. La graisse, on la met dans les petits pots comme ça, pour cuisiner. Ah oui. Après, elle se refige toute. Hein. Ce qui est important, c'est qu'une eau ouverte, elle se conserve le temps qu'on veut au frigidaire. Hein. Ça se garde un mois, deux mois, ça ne bouge pas. Mais nous, on cuisine tout avec. Les pommes de terre, plus tout ce que vous pouvez imaginer. La soupe, le beefsteak, l'infoplat. Avec le cou, ici, on fait le cou farci. Avec la peau du cou, hein. On farcit le cou de foie gras et de farce de porc. Et on le cuisine. Et après, on le met en boîte, ici, dans laquelle il y a un cou farci. Ah oui. Ça se mange froid ou chaud, coupé en tranches avec une salade. Ah oui. Ensuite, on découpe ici. Voilà. On soulève. On soulève la peau. Voilà. Côté, hein, oui. On va faire l'autre côté. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit les magrets ici. Vous connaissez tous les magrets. Et quelle différence entre le magret et le filet? Le magret, le canard est gavé. Filet, le canard n'est pas gavé. Jeune. Voilà.
Ah, c'est la différence. Il ne faut pas se faire avoir, là. Hein. Oui, oui. C'est pas le même prix, d'ailleurs. Magret gavé, filet pas gavé, exactement. Mm-hmm. Ensuite, il y a les cuisses qui vont servir pour faire les confits de canard. Mm-hmm. C'est pas difficile, hein. C'est cuit dans la graisse. On est en train d'en faire cuire ce matin, là. Et après, on les met en boîte couvert de graisse et stérilisée. Et quand on veut les consommer, on les fait dorer au four, les confits. Mm-hmm. Et la graisse qu'il y a dans les boîtes, ça sert à cuisiner les pommes de terre, par exemple. Mm-hmm. Mais la graisse, on s'en sert partout, nous. Hein. Mm-hmm. Ensuite, il y a les aiguillettes qui sont ici. Oui, ça c'est très fin. Là on les roule en paupiètes, non? Et on les met du foie gras à l'intérieur. Et ensuite on les cuisine et on les met en boîte avec de la sauce et des champignons de Paris. Oh. Champignons. Ça. Voilà. Regardez. Regardez l'épaisseur. Il fait à peu près 500-550 grammes. Et ce foie gras-là, il est jaune parce que c'est le maïs qui donne sa couleur. Ça, c'est un gage de qualité. Parce que les foie gras qui sont gavés à l'aliment, ils ne sont pas de couleur jaune. Hein. Aussi, et soit du bloc de foie gras à 20 morceaux. Ça veut dire que, là, je vous ai expliqué, là, on le travaille, on le pétrit, on le met en pâte un petit peu, on moule, comme ça, il moule bien la boîte. Et après, quand il va se durcir, il va se former un bloc. Il a marché. Non, mais c'est doux. Mais elles sont des gens. D'abord, ces sources sur le puits de Sancy, dans le massif central. Il y a sept sources entre 1400 et 1700 mètres d'altitude. On trouve que la Dordogne vient du massif central, qui est un massif très ancien. La Garonne, elle vient des Pyrénées, un massif préquaternaire qui n'a guère plus que 3 millions d'années seulement. Baptisé ainsi par simplification administrative et scolaire. L'origine de... Sur un peu plus de 15 km sur les alentours.
La couleur majoritaire, c'est du gris noir. Et ça vient cette fois-ci du ruissellement des eaux de pluie qui passent par le terrain au-dessus où on trouve du manganèse, un minéral noir qui aura tendance à se dissoudre, forme cette fois-ci d'oxyde de manganèse. Vous en avez d'ailleurs des traces assez. Du fond de la Dordogne. Si nous avions 12 mètres de profondeur qui cassent, on va donc garder la même sur les deux millénaires. On va tout simplement attendre l'hiver et le printemps, c'est la période de la crue. On a à ce moment-là la Barbacane, une cour fortifiée qui est ici à l'arrière du château et vient très vite faire la même chose. Alors ça a été le cas de beaucoup anciens. Au 15e siècle, on passe à l'artillerie militaire, kilomètres en aval et sur la même rive. Le chenage, on y trouve actuellement plus d'une centaine d'armes de guerre d'époque. Et pour compléter la visite au sommet du mur à droite du château, il y a deux reproductions de machines de guerre supplémentaires. Il s'agit à gauche d'un mangoneau porté 143 mètres, à sa droite un trébuchet porté 250 mètres. Quant à ce pont que nous ne passerons pas faute d'autorisation préfectorale, il a été établi en 1862 sous Napoléon III. Construit maintenant à l'horizontale ce que l'on appelle à l'époque un petit Versailles. Et ce château de Lacoste était le quartier général des résistants de la région. C'est là où. Là, qui s'appelle la Pulide, qui est captée derrière le pont et redistribuée sur Castelnau, Vézac et Beynac, les trois villages immédiatement en aval. C'est surtout de ce pont de Halage que démarraient les chemins de Halage propres à la roque Gajac, parce que les 250 km étaient divisés en 39 secteurs qui correspondaient chacun à une ville ou un village qui avait sur le fleuve un droit de péage. Sous la forme ANSE, A-N-S, Bourdance, veut dire bourg de péage. 39 Halage ainsi que 39 dédouanage, les marchandises étant en plus soumises à des taxes. C'est la raison pour laquelle le train. Tout bouleversé, les gabarres vont disparaître en moins de 20 ans, ce qui va provoquer dans la région une très grave crise économique. Il y a 50 000 pieds de buis, et le jardin d'origine, lui, est de la fin du XVIIe siècle, implanté par M. Porcher, un des meilleurs élèves de André Le Nôtre, beaucoup plus connu, puisque Le Nôtre est le concepteur du style des jardins à la française. Et à la tranquillité de la remontée jusqu'à la roque d'Ajac, où je pourrais vous parler plus facilement des crues de la Dordogne, puisqu'on aura là-haut des exemples très visibles. Sachez que vous venez d'en faire une bonne partie, puisque désormais, vous n'aurez plus que 1245 autres châteaux seulement à voir.
votre gauche en ligne. Et malgré 7 barrages en amont en 1943, 1955, 1994, entre autres, on a la Dordogne à la hauteur des planchers du premier étage des maisons qui sont ici sur le bord de la route, raison pour laquelle au rez-de-chaussée on ne trouve ici aucune habitation. On peut également avoir des crues en plein été, c'est nettement plus rare. La dernière a eu lieu en 2001, début juillet. On a vu passer un orage café. Et de l'autre côté du petit muret, les gabarres à la même hauteur, à se demander d'y voter sur le temps séjour en Périgord. D'autant plus que vous savez à présent qu'il vous reste 1245 châteaux. Thank you.
Thank you.
Ici, c'est la chèvrerie de Rocamadour, là où on fait le fromage de chèvre, le Rocamadour, AOC Rocamadour.
à la restauration, depuis une dizaine d'années.